Un de toi. Let's go. Welcome. Merci beaucoup. C'est parti pour 21 ou 24 ou 26 kilomètres. Ça change en fonction des guides qu'on lit. Donc je vous dirai ça à la fin de l'étape. Et le temps n'est pas beau. On verra s'il pleut. Et je suis bien au Pays Basque. Il va falloir que je m'entraîne à lire les panneaux. Il y a des piments qui poussent sur les murs ici. C'est bizarre. Première vraie côte de la journée. Il y en a une pire dans 10 km, je crois. Alors, il existe un raccourci dans l'étape en passant par le village d'Arouet, qui fait gagner entre 1,5 km et 2 km. Mais c'est sur la route, il n'y a pas de côte, c'est sûr. Mais si on le prend, on rate les moutons. Et comme j'aime bien les moutons dans les prés, j'ai pas pris de raccourci. C'est marrant, quand j'approche, ils fuient tous. Pourtant, j'ai pas souri. C'est quand même plus sympa qu'une route goudronnée, même si ça monte. C'était la minute mouton de cette étape. Écoutant la fréquence des tintements de cloche, je me demande si les vaches ne communiquent pas en morse. Et là, les vaches doivent se dire « Vous avez vu le type qui passe sur le chemin, là, qui nous filme ? Il a jamais dû voir de vache. » À part sur un sachet de chocolat Milka. Ça doit être un Parisien. Je m'étais encore jamais moqué des Parisiens, je crois. Ça manquait. C'était la minute vache de cette étape. Ça manquait aussi la minute vache. Ah, les vaches vont s'abriter du côté de la cabane. Ça veut dire que je vais en ramasser une sur le coin de la figure. Je dois quand même vous avouer que ça fait plaisir de retrouver des animaux dans les champs, après les grandes cultures du Tarn-et-Garonne, du Gers et des Landes. Bon, j'ai dû mettre la cape de pluie, parce que ça commence à tomber. Et le problème des capes de pluie, c'est que vous êtes mouillé à l'extérieur, mais aussi mouillé à l'intérieur, parce que c'est pas respirant du tout. Ah ben ça, ça me manquait. Ce que j'aime bien avec ces maisons du Pays Basque toutes blanches, c'est que même sous ce ciel plombé, elles rendent le paysage
un peu plus riant que le temps ne le laisserait supposer. Parce que là, ça ne se voit peut-être pas, mais ça tombe quand même. On va chevaux, il manque plus que les cochons. Oh, regardez comme ils sont beaux ceux-là. Je ne leur ai pas demandé de quelle race ils étaient, donc je les appellerai des moutons à poils longs. Ouais, des moutons à poils longs. Et plus tard, ce seront des moutons dus. Voilà, c'était la minute ou l'autre minute mouton de cette étape, assortie d'un jeu de mots assez subtil, je dois dire. Non. J'ai vu un attroupement de pèlerins là-bas qui devait chercher un raccourci dont on nous a parlé au gîte. Raccourci que je ne prendrai pas parce qu'il passe par la route et j'aime pas les raccourcis. Je prendrai bien une petite pause par contre parce que j'ai faim. Alors, le chemin de Saint-Jacques s'appelle le Jondoni Jacobé Bidea. Bidea, qui, étant donné ce que j'ai lu sur les autres panneaux, doit signifier chemin, et non pas bidé. Enfin, chemin, c'est beaucoup dire, hein. C'est plutôt une route. D'ailleurs, à l'exception du Massif Central, je trouve qu'il y a beaucoup de portions goudronnées quand même. Je me demande ce que ça peut bien être. C'est pas un poulailler, c'est pas un enclos à cochons, c'est pas une étable non plus. Ça doit être un séchoir, mais pas un séchoir à moutons, comme cela. Et comme le piment d'Espelette n'est pas cultivé dans la région, mais beaucoup plus loin d'ici, j'ai demandé à deux dames qui sortaient de la ferme. Eh bien, c'est un séchoir à maïs. Ouais, un séchoir à maïs. Voilà, c'était la minute agriculture de cette étape. Et si je souffle, c'est parce que je suis en train de parler en montant une côte. Alors, Sorapurco et Repidea. Donc, Bidea, chemin, et Repidea, route, ça doit être ça. Bon, j'ai dû dépasser la mi-étape, donc je vais m'octroyer une petite pause. Bien, après cette petite pause casse-croûte, il est temps de reprendre la route. Il me reste 9 km jusqu'à Ostabat, il n'est pas encore midi. Donc 10 km jusqu'au gîte qui est un peu en dehors d'Ostabat. Et là, il va y avoir une grande descente suivie d'une montée qui va piquer. Ah ben il est midi. Là en face, c'est la montée vers la stèle de Gibraltar. Ça s'écrit comme le détroit de Gibraltar, mais c'est pas dans le détroit de Gibraltar.
C'est une stèle qui marque la jonction de trois des quatre grandes voies majeures qui cheminent en France vers Compostelle. Et à cette stèle se rejoignent les voies de Tours, du Vézelay dans le Morvan et du Puy-en-Velay. La quatrième voie, c'est la voie d'Arles qui rejoint le Camino Francés que j'emprunterai dans quelques jours à Puente la Reina. Voilà, c'était la minute géographie de cette étape. La stèle, je vous la montre tout à l'heure. Et après la côte, c'est normal, elle est en haut de la côte. Ils sont bizarres ces moutons. Va falloir que je me renseigne sur la race. En attendant, je les appellerai moutons noirs et blancs. Voilà, moutons noirs et blancs. Vous n'avez pas fini d'en avoir des minutes, moutons. Voilà la fameuse stèle de Gibraltar qui marque la jonction des chemins que j'ai cités. Je suis content d'être arrivé là. Ouais, c'est cool. Allez, je me remets en route. Il reste plus qu'à monter cette côte qui est raide vue d'ici. Et après, ça descendra. Ça descendra vers l'apéro. Et là, je sens que ça va piquer. Bon, je vous retrouve en haut. Ah, elle calme celle-là, hein. Je prépare pour y aller, hein. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est qu'à 291 mètres d'altitude. J'ai l'impression d'être beaucoup plus haut. Mais même si le ciel est bouché, ça valait le petit effort quand même. Et voilà la petite chapelle. La petite chapelle tout en haut de cette colline. Bon, je ne vais pas vous traduire ce qui est marqué sur le fronton. Et pour vous montrer où je suis parti de là. Et je suis là. Enfin, tout à l'heure, je serai là à Ostabat. J'ai trouvé des arbres qui font la ronde, qui se tiennent la main. J'entame la descente vers Ostabatasme, qui doit être à peu près à 4 ou 5 km. C'était une chouette étape, celle-là, quand même. D'habitude, les vaches regardent passer les trains.
Et bien ici, regarde passer les pèlerins. Je sais, elle est facile. Voilà, Ostabat là-bas. Donc j'ai encore une descente et une petite montée pour bien finir. Et mon gîte, qui est la ferme Gaineco Etchea, est à environ 1 km après la sortie du village. Ça veut dire que je vais faire 1 km de plus aujourd'hui, mais 1 km de moins demain, parce que la ferme est située juste sur le bord du chemin. Et là, du coup, je ne sais plus si je suis sur le chemin ou dans un ruisseau. Et je vous assure que je suis bien sur le tracé du GR. Hein. En tout cas, voilà une arrivée pour le moins originale. Après la descente du ruisseau, le dernier raidillon était un raidillon des familles. Je vais m'arrêter un peu avant de continuer 1 km jusqu'à mon gîte. Bon, après cette petite pause café que je n'ai pas pu faire à 10h du matin parce que il n'y avait rien, je rejoins mon gîte. Il me reste 1 km à faire, ça va. C'est cool. Et je pense que là, c'est mon gîte. Voilà, fin de cette étape de 23,5 km jusqu'à Ostabat. Et du coup, comme je suis passé dans le ruisseau qu'on appelle GR, il va falloir que je relave le bas de mon pantalon. Et demain matin, je suis rejoint par ma maman et ma grande sœur qui vont parcourir avec moi le dernier tronçon de cette partie française de mon chemin de Compostelle jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et le soleil réapparaît. C'est cool. À demain pour de nouvelles aventures.